village dans les problèmes. Amen. Ouais. Nous sommes dans un village où il y a beaucoup de sorciers. On nous a dit que le chef du village ne veut pas de la prière. C'est ça? Oui. Vous voyez la sœur qui a allongé, a prié pour le programme, on l'a attaquée. Et là, elle était morte hein, tout à l'heure, c'est ça? Non? Oui. À midi. Des gens qui meurent bizarrement. Elle prie pour le programme. On veut la tuer. On la tue. C'est qu'il y a aussi. C'est vrai que quand on ouvre aussi des portes par le péché, l'ennemi s'engouffre. Comment? Il y a combien d'habitants dans ce village? Combien? Entre 5 et 700. Wow. Ceux qui habitent le village, est-ce que vous pouvez lever vos mains? D'autres derrière. On m'a dit que les sorciers ici se transforment en hibou, c'est ça? Chouette, tout ça. Wow. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces chouettes? Ah, on va prier pour que ces gens se convertissent. Amen. Qui veut voir leur conversion? Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce moment. Conduis-nous, garde-nous. Ouvre-nous par l'ombre de tes ailes. Que ton règne demeure parmi nous. Au nom de Yeshua. Amen. Et les églises, non, dans le coin, on va dire. Les églises, quoi? C'est méthodiste, presbytérienne, Aris, catholique, Pentecôte. Un peu plus sur la mosquée. Et une mosquée. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Un mois, deux mois, trois mois? Sept mois. Sept mois, oui. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur et remercier la sœur. C'est une femme qui nous a accueillis ici. Ah, maman, que Dieu te bénisse pour ton soutien. Ta famille est là. Ok, que Dieu te bénisse. Alors, papa est où? Venez, on va prier pour vous. On va commencer par prier pour vous. C'est des sorciers, bon. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Amen. Seigneur, nous te confions cette famille. Protège-les, Seigneur, cet homme, cette femme. Garde-les sous l'ombre des désert. Nous prions pour que tout ce lieu soit protégé par ta gloire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dieu, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Que l'ennemi
Seigneur, ne les atteigne pas. Nous en accueillons. Nous voulons obéir à ta parole qui dit que si quelqu'un reçoit un juste, en qualité de juste, recevra la récompense de juste. Nous voulons prier pour que ta paix leur soit accordée. Au nom de Yeshua, protège leurs enfants également. Nous te prions, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci. La sœur, elle n'était pas malade le matin? Elle était malade ce matin? Quand est-ce qu'elle est tombée malade? Une semaine. Ça fait longtemps, mais ça allait un peu. Depuis la vie de l'homme de Dieu, sa femme, ça allait. Est-ce qu'elle a déjà parlé, est-ce qu'elle a déjà été consultée à un médecin? Ils ont dit quoi, le médecin? Le VIH? Oui. Okay. Est-ce qu'elle suit un traitement? Pour le moment, non. Voilà les réalités de l'Afrique. La sœur Arlette, tout ça. Sa famille l'a abandonnée. Ce sont les étrangers qui s'occupent d'elle. Elle souffre du VIH. Elle est en grande souffrance. Il n'y a aucun traitement. Et vous avez plusieurs cas comme ça. Elle est en train de gémir. C'est ça, les réalités de l'Afrique. Jérémy. Les gens meurent comme ça. Alors qu'il y a des milliards qui sont utilisés par les hommes, les riches. Gaspillés parfois dans des choses qui ne nourrissent pas. Vous avez de l'huile d'olive ici? Des fois, c'est l'onction d'huile. Est-ce qu'on peut l'amener ici? Ce sont des réalités auxquelles nous faisons face tous les jours en Afrique. On peut pas, c'est vrai, quand on vient en mission, c'est bien aussi d'aller dans les bas quartiers, dans les villages, pour voir certaines réalités afin de mieux appréhender les choses. Et ils font avec les moyens du bord. Quand on pense à notre confort là, l'Europe. Couverture sociale, véhicule, maison climatisée. Et on ose en plus aller manifester dehors pour réclamer encore plus de droits. Les chrétiens en Occident qui gagnent beaucoup et qui ne pensent même pas aux pauvres. Nous devons vraiment les comptes à rendre au Seigneur. Quand tu vois des grands bishops ici qui amassent beaucoup d'argent et qui ne pensent même pas aux malades, quel évangile, ont-ils reçu? En Afrique, lorsqu'une personne est atteinte du VIH, en général, la famille l'abandonne. Elle est considérée comme une pestiférée. Les gens ne vont même pas la saluer de peur d'être contaminée. Je ne sais pas ici en Côte d'Ivoire, c'est le cas. Ouais. Tu vois, c'est pas comme ça, Martinique. Non. Que Dieu soit béni parce qu'il nous fait la même grâce de voir certaines choses
quand on sort comme ça, on mesure encore à quel point nous avons la grâce. À quel point nos enfants ont la grâce. La plupart des enfants que vous voyez là, ils n'ont pas d'avenir. Parfois, la seule chose qu'ils ont, c'est chanter, louer Dieu, danser. Ça peut paraître parfois bizarre. Comment ils dansent comme ça? C'est tout ce qu'ils ont parfois. Ça peut nous choquer. Oh non, chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est tout ce qu'ils ont. On ne peut pas leur arracher ce qu'ils ont. Il y en a, ils le font charnellement, c'est vrai. Mais d'autres, ils le font sincèrement. Il y en a, ils le dansent sous un style du zouk. D'autres, le rythme est un peu plus cadencé, tout ça, un peu plus... Bon, le plus important, c'est ce que le cœur. Comment les gens font les choses. Et je me rappelle quand je suis venu... Quand je suis parti en mission avec mes enfants pour la première fois en Afrique, l'aîné à l'époque avait 3 ans, il voulait, quand il a vu la misère, il voulait repartir avec tout le monde. Tellement qu'il était choqué. Comment c'est possible? C'est important que nos enfants qui sont bien bénis, qui sont bien, qui ont toutes les conditions nécessaires pour réussir, viennent voir ces choses. C'est une bonne manière aussi de les éduquer, de leur apporter des enseignements. On comprend pourquoi il y a cette vague de migrants, ces jeunes qui n'ont plus d'avenir, qui veulent à tout prix aller à l'Occident. Et aussi les jeunes qui sont venus avec nous en mission. Vous voyez la condition dans laquelle les gens vivent, don de Dieu, toi. Ça fait combien d'années que tu n'es pas venu en Afrique? 27 ans. 28 ans. Voilà. Les gens, ça fait combien d'années? 32 ans. Jérémy, c'est la première fois. Les gens meurent dans les hôpitaux. Il faut qu'on vous amène dans les hôpitaux pour voir. Nous sommes allés à Libreville, dans un hôpital, prier pour les malades. Une femme qui venait d'accoucher nous dit que ça fait une semaine qu'elle était retenue là-bas parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer l'accouchement. Donc, on la retient en prison. Dieu nous avait donné 100 000. Donc, c'était 100 000, non? Aller avec cet argent qu'il a remis à cette personne. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans les hôpitaux ici. Les gens sont retenus contre leur gré parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres arrivent parce qu'ils ont fait des crises d'appendicite, tout ça, et on ne peut pas les opérer parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc ils meurent. Des enfants qui meurent, si les parents les amènent là-bas les hôpitaux, la première chose qu'on leur demande, alors qu'ils sont en train de faire des crises, est-ce que vous avez de l'argent? Non, ce n'est pas la peine. Et nous, on est là, parfois, on gagne beaucoup d'argent. Et les orphelins, on n'y pense pas. Les veuves, on n'y pense pas. Les malades, on n'y pense pas. La mission, envoyer de l'argent en Afrique, envoyer de l'argent dans les pays pauvres, en Asie, tout ça, pour aider les pauvres, pour envoyer des missionnaires, missionner quelqu'un. Voilà, Seigneur, je gagne tant, je vais missionner quelqu'un. Et quand je vois des jeunes, je vois des moins jeunes, des gens qui chantent, des gens qui prêchent, des gens qui sont, je ne sais pas, nous chantons en Europe ou ici, là, qui sont orgueilleux. Moindre bobo, toute douleur au niveau d'une dent, dentiste, tous couverts par la sécurité sociale, pas de problème. Mutuelle, pas de problème. J'imagine le jour où on sera devant le Seigneur, comment ça va se passer. Une femme est venue me voir un jour en Afrique, elle me dit, voilà, prie pour mon enfant, c'est un bébé. Je le touche. Il devait avoir au moins 40 degrés de fièvre. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas
d'argent pour le soigner. Elle me dit non, je n'ai pas d'argent. Pour acheter ne serait-ce qu'un dafalgan, l'enfant mourrait. Il y a des cas comme ça, il y en a plein dans les assemblées. Aux amens, les gens sont par terre comme ça, plein. Il faut les soigner par les pasteurs, par des médecins traditionnels, tradis praticiens. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Amen. Je suis vraiment très très heureux d'être venu ici. Et je crois que Dieu va amener cette œuvre très 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 loin. Je prophétise que tous les sorciers du coin, ils ont 2 mois pour pouvoir régler leurs affaires. Amen. 2 mois. Je sais que vous êtes là, je sais que vous avez écouté. Nous prions notre Père qui a créé le monde, qui a créé ce village. C'est lui qui a créé la terre, notre Père. Qui est votre Créateur, mais il n'est pas votre Père, il est notre Père à nous. Parce que nous avons reçu son Fils Jésus-Christ. Vous avez 2 mois. Si vous attaquez les enfants de Dieu dans cette assemblée, vous aurez des problèmes avec notre Père. L'œuvre va prendre de l'ampleur dans le coin. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, alléluia. Alléluia. Vous croyez que le Seigneur est Dieu? Amen. Qui croit que Jésus-Christ est Seigneur? On va juste lire un passage dans Acte 8. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. L'écoutant, lorsqu'elles virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix, hors de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanteur et qui ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient, étaient attachés à lui et disaient, celui-ci est la grande puissance de Dieu. Ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les miracles qui se faisaient. Voilà, on s'arrête là. Seigneur, merci pour ta parole. Et c'est le cas ici un peu dans cette région-là, tout ça. Il y a beaucoup de sorciers qui se donnent pour des personnages, ils deviennent des chouettes, eux ils se transforment en chouettes, ils se transforment en hibou, en souris, en rat, tout ce que vous voulez pour aller attaquer les gens. Et c'est souvent comme ça dans les villages aussi en Afrique, même en Europe, hein, certains villages, là, mes amis, là, pour y aller, là, il faut que vous êtes mandaté. Hein. Il y a des coupeurs de feu, des gens qui sont des tradis praticiens, beaucoup de sorcellerie. Et Philippe va dans cette ville de la Samarie et on apprend qu'il y avait un personnage là-bas, Simon le magicien, qui, n'est-ce pas, avait profité de l'apostasie parce qu'il y avait un puissant réveil à la Samarie à l'époque de Yeshua, notre Seigneur, avec la femme samaritaine. Mais quelques années après, il y a eu l'apostasie, il y a eu un refroidissement dans les cœurs des gens par rapport à la prière, l'amour de la vérité avait disparu. Et Philippe, n'est-ce pas, comme Simon le magicien, a trouvé cette occasion pour pouvoir, une bonne occasion pour pouvoir asseoir sa magie, pour pouvoir écraser les gens, dominer les gens, manipuler les gens. Et on nous dit que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, étaient attachés à lui. Parce qu'ils voyaient la magie que ce monsieur utilisait, tout ça, les prodiges que ce monsieur faisait, tout ça. Donc ils pensaient que c'était Dieu. Ils disaient même que cette onction était de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas que dans ce village, je crois que c'est presque dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, il y a tellement de sorciers dans les églises qui se portent, qui se donnent le nom de pasteur, prophète. Et ils ne viennent pas ici. Hein? Parce que, voilà,
Pour eux, ici, il n'y a pas de dollars. Mm-hmm. C'est la dîme, on la paye comme un manioc. Ça passe pas. Alléluia. Alors, toutes les dîmes étaient en manioc, étaient en nature. Hein. Et eux, ils ne veulent pas de la patate douce. Ils veulent les dollars. Il n'y a pas de banque dans le coin ici, là, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et Philippe, donc Simon le magicien, dominait, régnait, écrasait, manipulait les gens. Et c'est comme en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens pensent que ah, l'onction là-bas, c'est l'onction de Dieu, tout ça, parce que les gens tombent par terre, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Non, c'est la magie. Ça vient de l'Inde, ça vient du Nigeria, ça vient de... Ils ont des grosses bagues, tout ça, et c'est la franc-maçonnerie, la rose-croix. Il y a beaucoup de mélanges. C'est pour ça là qu'ils peuvent lire vos numéros de téléphone. Là, je vois quelqu'un qui a son numéro, c'est 06 40 90 50. Non, c'est la sorcellerie, ça. Voilà. Il n'y a pas l'évangile. Où est l'évangile? Il faut qu'on dise aux gens que s'ils meurent le péché, ils vont en enfer. Je sais qu'il y en a ici qui dansent, ils ont de l'impunicité. Et danser. Ça se déhanchait bien comme il faut, la publicité, là, les nichons, les seins en l'air. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle encore? Amen. Mm-hmm. Seigneur, sauve-nous. Il nous faut l'évangile. C'est l'évangile qui va faire fuir les sorciers. Il n'y a pas autre chose. Amen. C'est pas un prophète, non. Ne t'attache pas à un prophète. Ne t'attache pas à un prédicateur. Attache-toi à l'évangile. Amen. Si tu reçois l'évangile véritable, si tu obéis à la parole de Dieu, même si tu es seul au milieu d'un village rempli de sorciers, ils ne peuvent pas t'atteindre au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. La parole nous dit Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Amen. S'il y a un trembler les sorciers, les démons, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas le nom d'un prophète. Non. Au nom de Yeshua. Simon avait pris de l'ampleur, comme vos sorciers, comme vos faux prophètes ici dans le pays. Ils ont pris de l'ampleur, ils ont pignon sur rue. Il y en a, ils sont en soutane. Mais les démons n'ont pas peur de soutane, des soutanés. Hein? Non. Et il faut de nouveau l'évangile pur ici en Côte d'Ivoire. Il faut l'évangile véritable. C'est quoi l'évangile véritable? C'est l'évangile qui proclame le royaume de Dieu, qui proclame la justice de Dieu, qui prêche la sanctification, la crainte de Dieu. Hmm? Pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est ça l'évangile. Sinon les sorciers vont te manger. Pas de magouille, pas de mensonge. La Bible dit que les menteurs n'entreront pas au ciel. L'évangile véritable. Toi, tu veux, vous voulez vous marier, mais il faut. C'est, frère, il faut la sanctification. Vous-même qui suivez, depuis que nous sommes venus, là, tout ça, qui venez, qui nous suivez, tout ça, là, pour partager la parole avec nous, tout ça, c'est bien. Mais vous devez changer. Il faut qu'il y ait une transformation dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans nos vies, dans vos vies. Amen. Véritablement. Je bénis Dieu, parce que venir jusqu'ici, là, mes amis, il faut beaucoup de courage. Hein. Et je crois que beaucoup sont touchés quand même par la parole, parce qu'il faut le faire, cette route-là, la faire, cette route-là. Si ce n'est pas Dieu qui te pousse à faire cela, ce n'est pas possible. Et moi, je suis convaincu que, mes amis, après cette mission, je suis convaincu que beaucoup de boutiques de faux prophètes vont fermer. Je crois ça en Yeshua. Je prophétise, je déclare cela au nom de Yeshua. Mmh. Vous savez, le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Et donc, ça veut dire que délier, lier, c'est fermer et ouvrir. Et nous fermons toutes les boutiques où les enfants de Dieu sont manipulés, dépouillés au nom de Yeshua. Nous fermons tous les aéroports des sorciers dans le village ici-là. Nous prions pour que tous les vols mystiques soient détournés au nom de Yeshua. Nous déclarons que le feu du réveil arrive ici au nom de Yeshua. Il faut les déclarations. Il faut les déclarations au nom de Yeshua, frères et sœurs. Un jour, je suis allé au Congo prêcher l'évangile. J'arrive comme ça. C'était un quartier un peu. Un peu à peu près comme ça. Il y avait beaucoup plus de maisons. Et les sorciers dominaient sur la ville. Ils envoûtaient les gens par l'électricité. Ils allaient danser sur une cabine électrique. Et les gens qui avaient le courant chez eux, là, ils étaient envoûtés à chaque fois. Dieu me dit, prophétise, dites que cette cabine téléphonique va être foudroyée.
dans 3 jours. Juste dans 3 jours, la cabine électrique, là, tout ça, va, et une foudre va tomber dessus. 3 jours après, la foudre va tomber. Bam! Il y a l'électricité. Dans la ville, il n'y avait plus d'électricité. Et les sorciers ont fait une réunion ensemble. Ils ont dit, ce monsieur, c'est un magicien. Il a la magie des blancs. Non, je n'ai pas la magie des blancs, frère. Non, on veut pas. Nous sommes venus vous dire qu'il y a, il y a une magie qui est dangereuse. Une puissance qui est plus puissante, qui est au-dessus de toute autorité. Nous sommes venus, frères et sœurs. La terre, c'est Dieu qui a créé. Il a dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Cette terre-là n'appartient pas aux hommes, appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous mourons. Quand nous mourons, on laisse la terre, là, frère. Nous venons déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes là, vous allez, la puissance de Dieu et les sorciers et les magiciens et les ngangas et les marabouts, les voyants, tous ceux qui pratiquent l'augure, tout ça, les astrologues, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons que tout ce village appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous consacrons le village, nous consacrons cette terre au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, éternel et Shaddai. Oui, tu peux l'acclamer, il mérite ta gloire, frère. Jesus. À partir d'aujourd'hui, nous inscrivons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invitons Jésus dans ce village. Nous invitons Jésus dans ce village. Porte et les vers de l'aïe. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Jésus. Élevez vos lenteaux. Jesus Christ. Oh. Oh. Il y a quelque chose ici. Des anges guerriers viennent de descendre ici. Là. Oh. Jesus Christ. Aïe, 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 aïe. Du Saint-Esprit viennent briser les chaînes de la mort, viennent briser les chaînes de la maladie. Je déclare cela au nom de Yeshua. Philippe arrive là-bas, il y prêcha le Christ, il a démontré aux gens, il a prêché Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui marche sous les eaux, celui qui parle à la tempête, celui qui calme la tempête, celui qui calme. Alléluia, 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 alléluia. L'officier romain a dit à Jésus, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Jésus ne parle pas trop. Il dit seulement une parole et les démons s'exécutent. Il dit une parole et les anges descendent. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu. Jesus. Oh la parole, oh la parole, oh la parole, oh la parole, oh la parole. La parole est déclarée. La parole est libérée. La parole est libérée. Les démons sortent maintenant. La parole est libérée. Les prophétesses se lèvent. La parole est libérée. Les prophètes se réveillent. Alléluia. Jésus. Quelque chose ici aujourd'hui. Amen. Le mont Carmel est venu ici. Alléluia. La démonstration de la puissance. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Oh, Holy God. Au nom de Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Une parole est libérée sur ta vie. Une parole est libérée sur ta vie. Une parole est libérée sur ta vie. Tu peux marcher au nom de Yeshua. Une parole est libérée sur ta vie. Une parole est libérée sur ta vie. Une parole est libérée sur ton âme.
une parole est libérée sur ta vie. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, le sida sort de ta vie, la maladie sort de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 Jésus. Jesus, 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 tu peux marcher. Jesus, Jesus, tu peux marcher. Tu peux marcher. Tu peux marcher. Tu peux marcher. Tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux marcher. Acclame Jésus. Acclame Jésus. De tout cœur les merveilleux. Il m'a rendu, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Tu veux manger une banane un peu là?
Tu vas avoir la diarrhée. Tu vas avoir la diarrhée. Oh. Ah. Non, non. Non, non, il n'y a pas de diarrhée, t'inquiète pas. Hmm? Amène-moi la banane d'abord. Et les gens se sont tournés vers Dieu parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Ceux qui sont du village, là, levez-vous. Venez ici. Venez ici. Venez par ici. Venez par ici. Levez vos mains. La puissance de Dieu va vous guérir, vous libérer, vous soigner en profondeur. Priez en même temps que moi. Priez. Voici l'onction du Saint-Esprit maintenant. Voici l'onction du Saint-Esprit maintenant sur vous. Voici la puissance de Dieu sur vous au nom de Yeshua. Dieu vous accorde. Il y en a à qui Dieu donne des dons de prophétie maintenant. Des dons de songes, des visions, de guérison même au nom de Yeshua. Il y en a à qui Dieu va ouvrir les yeux pour commencer à voir tout ce qui se passe dans le village ici. Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour être. Il y en a qui sont des sentinelles, des prophètes. Voici la puissance de Dieu. Maintenant, recevez. Aidez-les. Voici l'onction. Aidez-la. Une onction terrible sur elle. Oh, assis sur maman. Oh, une onction sur elle. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Oh, il y a une belle onction ici sur les gens. Waouh. Aidez-les. Voici l'onction, maman, sur toi. C'est beau. Magnifique Seigneur. Aidez-moi ces gens, priez là où vous êtes. Que tout le monde prie, bénisse ce peuple qui nous a accueillis au nom de Yeshua. Recevez la grâce de Dieu. Et que les démons qui vous embêtent vous quittent maintenant. Démons de mari de nuit, de femme de nuit, démons de sida, de maladies, toutes sortes de maladies, cancer. Au nom de nous les chassons maintenant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que ceux qui étaient enfermés à les cages soient se libérés maintenant. Nos prisons les cages maintenant. Nous vous libérons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sortez démons. Allez, sortez serpents. Allez, sortez. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez. Ça sort. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu sur toi. Oh, une onction sur elle. Ça sort. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Quelqu'un a été guéri du diabète ici. Au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Problème de tension, quelqu'un a été guéri ici au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci Papa. Merci Père. Magnifique Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre veut venir pour quitter la sorcellerie? Venez. Venez, vous qui voulez abandonner la sorcellerie. Venez, n'ayez pas honte. Venez. Magnifique. Acclame le Seigneur encore. Oh! Alléluia. Venez les sorciers, venez. N'ayez pas honte, venez. Courez ici. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia.
où? Elle m'envoie tuer les gens. Elle te réclame à qui? N'aie pas peur. Ton papa? Son fils? Waouh! Et toi qui t'as initié? La sirène des eaux. Ok, tu parles avec la sirène des eaux depuis combien de temps? Depuis longtemps? Levez vos mains ici. Toi qui t'as donné la sorcellerie? Ma grand-mère. Elle te demande de tuer qui? Mon père. Ton papa qui est là? Ok, ils ont, c'est les, ah, les deux, ils sont frères, non, frères et sœurs. Ah, frères et sœurs. Waouh, Seigneur Jésus. Et on t'amène dans le deuxième rang. Tu voyages avec quel objet? Tu utilises quoi pour partir comme un avion? Une chouette. Une chouette. Waouh. Vous vous rendez compte, hein? J'ai remis tout ça dans les cas, les choses qui se passent ici. Acclamez le Seigneur. Vous avez vu combien Jésus est grand? Hein? Vous avez senti le feu ce soir? Vous avez vu quoi? Amen. Les anges descendent. Tu as eu peur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. L'onction là, ici là. Oh. Amène-moi les deux là. 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 Oh. Dieu veut se servir d'elle dans une onction prophétique. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh. Oh, c'est la puissance de Dieu. Waouh. 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 Acclame-tu encore, acclame-tu encore, acclame-tu encore. Il est Dieu, Alain, il est Dieu. Bisous, papa, bisous, faisons-lui un bisou à Jésus, bisous à Jésus. Bisous, 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 bisous. Oh Dieu d'Israël. D'autres ici. La sirène veut t'amener avec elle. Elle veut que tu travailles avec elle. Elle t'embête beaucoup. N'aie pas honte. Viens, 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 viens. Viens, Jésus va t'aider. Tu ne vas pas mourir. Elle te ment. Elle te ment. Elle te ment. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jésus veut te rendre libre. Jésus veut te rendre libre. La sirène va te quitter maintenant. La sirène, elle va sortir de ton âme. Elle va sortir de ton corps. Elle va sortir maintenant. La sirène s'en va maintenant. La sirène s'en va maintenant. Elle s'en va. Elle te sort. Elle te sort. Elle te sort. Elle te sort. Au nom de Yeshua, oh Dieu de gloire. Père, tu es magnifique. Amène-la-moi. 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 Oh. Oh Dieu. Magnifique Seigneur. Ça sort. Acclame le Seigneur. Ça sort. Avancer là. Acclame le Seigneur encore. Waouh! Regardez-moi tous ces sorciers qui abandonnent le diable pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Les ex Simon le magicien quitte la sorcellerie pour Jésus, 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 pour Jésus. Au nom de sous l'eau. Quand j'étais petit. Combien de fois? Plusieurs fois, depuis que j'avais 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois d'autres sirènes sous l'eau là-bas? Bon, je vis spirituellement, je couche avec elle depuis le bas, et puis physiquement aussi,
Elle vient aussi des fois. Physiquement, elle vient te voir comme ça. Oui. Et tu couches avec elle. Oui, oui. Et tu n'en veux plus. Bon, je suis fatigué parce que je suis allé quelque part un jour et lors de la délivrance, surtout qu'elle m'a fatigué beaucoup. Elle m'emmène des fois même à ne même pas m'approcher de quelqu'un. Peu partout où je vais, on me rejette. Je reviens toujours à la case de pas. Donc j'ai décidé vraiment de ne plus vivre cette situation-là. Et puis aussi, on doit se marier pour qu'on puisse rester ensemble. Mais lors du mariage qu'on fait, dès qu'elle dépose la bague sur ma main, à mon tour, je dois mettre la bague, je me réveille plus de 3 fois. Donc depuis ce jour, ma vie est devenue qu'un enfer. Donc à chaque fois, elle ne fait que de tout ma vie. Partout où je vais, on me rejette. Tu as quel âge? Je t'en vais mes 22 ans. Wow. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte, mes amis, comment les gens souffrent? S'il n'y a pas la lumière de l'évangile, mon frère Francis, voilà les réalités. C'est terrible. Des enfants comme ça. Terrible, 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 terrible. Levez vos mains maintenant. Regardez par ici. Au nom de Yeshua, sirène, allez, commencez à sortir, sorcellerie. Commencez à quitter ce corps. Allez, sortez, voilà, serpent, allez, sortez. Ça sort, 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 ça sort. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ça sort, ça sort. Allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Jesus, Jesus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. La gloire de Dieu, les enfants. Allez sauter, 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 allez sauter. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Priez, 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 priez. Chassez-les, 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 chassez-les. Les enfants. Les enfants sont délivrés. Au nom de Jésus. Allez sortez, allez sortez, allez sortez, allez sortez, allez sortez. Jésus, 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 allez sortez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alain, déposez les mains sur les enfants. Les pasteurs, déposez les mains sur les enfants. Prenez l'huile d'onction, l'huile d'onction. Déposez les mains avec l'huile d'onction sur les enfants. Là. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez. Chassez-les, chassez-les, chassez-la, chassez-la, chassez-la. Serge, chassez-les. Frères et sœurs, je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est la première fois que je vois ça. C'est terrible. C'est terrible. Frère Francis, déposez les mains. Priez pour les enfants. Au nom de Jésus. Merci Jérémy. C'est terrible. Vous voyez, mes soeurs, vous voyez. C'est terrible. 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 Des enfants comme ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous qui suivez, vous voyez ce qui se passe ici. Avec des enfants de 2 ans, 3 ans. Sirène des eaux. Mamiwata. Sorcellerie. Regardez, nous sommes dans un village ici. Voilà ce que Dieu fait. La puissance de l'évangile. Jesus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Le village est délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres s'en vont. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les anges sont là. Les anges sont là. Dieu est là. Jésus. 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 Jésus.
Jésus, la sorcellerie, vous vomissez, vous allez vomir, la sorcellerie, Jésus. Oh Seigneur, merci. Ces enfants sont délivrés. Ces enfants, à partir d'aujourd'hui, je prophétise sur vous. Vous n'allez plus sortir la nuit. Vous n'allez plus vous transformer en chouette. Je prophétise cela. Nous prophétisons cela. Nous vous bénissons. De Jésus de Nazareth, nous vous bénissons au nom de Jésus de Nazareth, nous vous bénissons, nous prophétisons, vous allez grandir, vous allez avoir les enfants, vous allez servir le Seigneur, vous allez vous marier, prêcher l'évangile, nous prophétisons au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Acclame Dieu, maintenant les enfants, levez-vous. Au nom de Jésus, acclame Dieu, 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 acclame Dieu. Jesus. Venez les enfants, venez ici. Venez. Regardez frères et sœurs, ces enfants que Dieu veut nous délivrer. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous avez vu ça? Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis à Dieu. Des bébés comme ça là. Jesus Christ. C'est terrible. Terrible. Jésus de Nazareth. Vous allez servir Jésus-Christ. Vous allez chanter pour Jésus-Christ. Vous allez évangéliser partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a deux autres qui sont venus. Acclamez Dieu. Il y a deux autres qui sont venus. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y en a trois. Trois nouveaux. Mes soeurs, prenez-les. Baptême. Au nom de Jésus. Franck. Mon frère Franck. Ah, que Dieu soit béni. Viens mon frère. Merci à toi. Merci. Est-ce que tu peux coucher les enfants là? Voilà, tu peux demander à quelqu'un. Oui, ma soeur. Prenez ces enfants. Parlez avec eux. Le baptême là. Dieu me met à cœur, il faut les baptiser. Voilà. Sorcellerie là, ça sort, elle sort. Satan, au nom de Jésus. Jésus, elle sort, au nom de Jésus. Voilà. Elle sort. Non, Jésus de Nazareth. Elle sort, au nom de Jésus. Qui réalise que Jésus existe? Mon frère Jérémie, tu vois quelle grâce nous avons. Regardez les enfants. C'est ça la réalité aussi en Afrique. L'Afrique est polluée comme ça. Comment voulez-vous qu'elle se développe? Prenez les enfants là, tous la baptême. Au nom de Jésus de Nazareth. Baptême. Jésus. Seigneur, merci pour cette œuvre. Merci pour ces enfants. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, dans Joël 2, 28, que la réponse de son esprit sur vous, les jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. Satan a fait la même chose. Il a répandu sa sorcellerie sur les enfants. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein? Les parents des enfants, là, suivez les enfants là-bas. Oh, ma soeur, viens. Amène là-bas. Et une onction sur elle, là.
Dieu la délivre, la maladie, la délivre, la, toutes les chaînes de la mort sont brisées. Je les avais. C'est un enfant. Jesus Christ. Qui est choqué? Oh Jésus. Toi qui t'avais initié? Amiwata. Tu couches avec Amiwata. S'il vous plaît. Tu couches avec Amiwata. C'est elle qui voulait te chercher. Pour t'amener où? Waouh. Allez, va là-bas, le baptême. Au nom de Jésus de Nazareth. Waouh. Waouh. Les gens qui sont venus avec nous de Paris, là, vous êtes choqués. Hein? Vous n'avez jamais vu ça. Hein? Moi, j'ai vu des enfants tomber sur l'onction, mais comme ça, là, des démons comme ça, sorcellerie en live, comme ça, là, direct. On doit avoir la crainte de Dieu. Les jeunes filles qui sont dans les publicités, venez ici. Je sais que vous êtes là, venez. Celles qui sont dans les publicités, qui couchent là, tout ça, venez. Le sexe, venez ici, venez, je sais que vous êtes là. N'ayez pas honte, parce que les esprits là, ça attaque, hein. Il faut se repentir là, parce que Dieu veut la sanctification, venez. Merci pour votre sincérité. Le péché, Dieu n'aime pas ça. Vous voyez vous-même, si vous êtes dans l'impulsité là, si les sorciers vont vous manger, il faut vous repentir, là, tout de suite. Voilà, la masturbation, tout ça là, venez. Films pornographiques, tout ça, venez. Si vous péchez, les sorciers, comme même s'ils sont enfants comme ça, ils peuvent vous manger facilement. Voilà. Venez ici, là. Films pornographiques, vous êtes là. Masturbation, homosexuel, lesbianisme, tout ça, là. Venez ici. Vous couchez avec des hommes mariés, venez. Oui, des hommes mariés. N'est-ce pas? Dieu va vous libérer de tout ça. Tout ça, c'est pas bon. Levez vos mains. Les garçons aussi, hein, venez. Hein. Les démons de sexe, là, les sirènes des eaux vont commencer à sortir maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Mami Wata, allez, sors. Mami Wata, sors. Quitte cette jeune fille. Sors. Allez, sors. Voilà. Mami Wata, sors. Je sais que tu es là. Allez, sors. Quitte-la. Voilà. Mami Wata, te quitte, ma soeur. Sors. Mami Wata. Sors. Mami Wata. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Mami Wata, je dis sortez. Il y a plusieurs Mami Wata ici, là. Plusieurs Mami Wata. Allez, voilà, ça sort, Mami Wata. Mes soeurs, chassez-moi ces Mami Wata. Chassez-les. Voilà, ça sort. Vous voyez, il y a plein de Mami Wata ici, là. C'est un village de Mami Wata ici, là. Allez, sors. Quitte là. Voilà, chassez-la, celle-là aussi, là. Chassez-la. Allez, sors, Mami Wata. Voilà, ça sort. Sors, il y en a plein ici, là. Voyez, sors. 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 Au nom de Jésus. Sors, Mami Wata. Sors. Voilà, quitte-la, Mami Wata. Allez, sors, quitte-la. Chassez-la. Chassez-la, nom de Jésus. Elle sort. Jésus, merci. Oh,
Oh, merci Seigneur Jésus. Allez, sort, voilà, lâche-la, sort, voilà, ça, ça va être ta queue là, sort, allez, sort, lâche-la, allez, sortez, voilà, quitte là, chassez-la, c'est un démon qui est là, un démon terrible, sort, la sorcellerie en même temps, chassez-la, la sorcellerie là, Ah, je viens de Dieu est bon. Dieu est bon. Acclamons le Seigneur, mes amis. Frère, soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je viens. Alléluia. Chantons ce cantique tous ensemble. Alléluia. Nous chantons ce cantique, s'il vous plaît. Rendons grâce au Seigneur. Thank you.
acclamer le Seigneur. Je crois que Dieu va visiter puissamment ce village au nom puissant de Jésus.